Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Evil Within 2. Nous en sommes à l'épisode 6 et chose promis, chose due, on a juste à partir, on a tout fait, tout ce qui était customisation, tout ça. O'Neill, je pars doucement encore une fois, il doit être content. Donc aujourd'hui, chose promis, chose due les amis. On est parti, on va aller écouter cette histoire de fantôme, une femme qui était apparemment poursuivie par un fantôme. On va voir ce qu'il en est et ce qu'il en retourne. Et on va essayer de récupérer, de tuer cette femme atroce qui gardait une pièce de sniper et qui réveillait les morts. Je suis full stuff, on s'est débarrassé de tout ce qui était amélioration d'armes, fabrication de munitions lors de l'épisode précédent, à la fin de l'épisode 5. Vous l'aurez compris, donc là, on n'a plus qu'à partir, c'est ça. Toujours se débarrasser le plus vite possible des choses les plus frustrantes, ennuyantes ou longues pour pouvoir être tranquille l'épisode suivant. Donc on fera ça à chaque fin d'épisode, histoire de faire un petit résumé de notre épisode. Et très honnêtement, on s'en est jusqu'ici très très bien sorti. Je vous conseille évidemment de fermer les volets, d'éteindre les lumières, de mettre un casque ou des écouteurs, de prévoir une petite collation. C'est toujours mieux pour suivre cette aventure totalement extraordinaire. Et encore, j'en pèse mes mots. On est parti, alors attendez. C'est quel train? Les trains ne sont pas marqués sur la map. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci. Ce train est très long. Non, c'est pas celui-ci. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est celui-ci, il est totalement vide. On va aller scanner les lieux et puis on va aller récupérer tout simplement... comment ça s'appelle notre... aidez-moi les amis, notre pièce de sniper. Encore une fois, un grand merci pour tous vos gemmes, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Vous êtes là, vous êtes présent, toujours vivant, rassurez-vous. Et ça me fait extrêmement plaisir. Vous montez la vidéo, les 4 premières vidéos étaient en top tendance. Oh, putain, mais c'est horrible. C'est horrible, ça fait vibrer la manette. Il y a le petit haut-parleur de la manette même qui fait du bruit. Ok. Bougez pas. Voilà. Il faut que je me calme. Elle doit pas m'entendre. Ce train est mon seul moyen de sortir du nude. Pourquoi il n'avance pas? Où sont les autres? C'était quoi ça? Oh non! Oh non! Non! Laisse-moi! Ne bouge pas! Oh, c'est horrible ces bruits-là. On va s'en bouffer plus tard des bruits comme ça, c'est sûr. Souvenirs résiduels. Ces bruits-là sont totalement horribles. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ah, j'arrive pas à me fixer dessus. Point de résonance, oh là là. Point de résonance, et là, il y avait un opérateur de Mobius décédé, mais pourtant, on y a été. Très bizarre, c'est très étrange. Ok, on va avancer doucement, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose au sol? D'accord. Je la sens pas, hein. Les gars, je suis très proche du micro. Ça fait que je suis désolé si je crie d'un coup. Ok, c'est bon, on peut sortir. Plus de peur que le mal, il y a un autre point de résonance, juste à côté. On va néanmoins essayer de récupérer notre pièce de sniper. Et je pense que ça va être une guerre horrible. Préparez-vous, les amis. Oh putain, attendez, il y a des caisses ici. À chaque fois, je suis sûr de les faire, mais j'ai l'impression qu'il y a des... C'est très bizarre. Peut-être c'est moi, je suis juste fou. Les caisses se mélangent encore une fois très très bien dans le décor. Bon, on s'occupe de la dame là les gars. C'est parti, il faut le faire hein, de toute façon, on est bien d'accord hein, les gars. Il faut le faire, donc on va s'en occuper. Pour cela, on va faire quoi? On va prendre ceci. Hop, 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 hop. Change-moi tout de suite les carreaux. Et mets-moi ça s'il te plaît. Ok. C'est bon, il est déjà chargé. À moins que j'ai peut-être une idée. À moins que j'ai peut-être une idée, c'est déjà d'harponner les mecs. C'est pas mal cette idée. Qu'en pensez-vous? Elle est pas mal cette idée, non? Elle est pas mal du tout. Ça me fait plaisir d'avoir des idées incroyables. Et vous, ça vous fait plaisir? Il y avait un ou deux autres morts. Merde!
Je veux... Non! Non! C'est la fin! J'ai été Trizo! Ok. C'est terminé pour elle. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain! Aïe! Non! Non, 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 non! Oh là là, je suis désolé! Ah! Lâchez-moi, mais lâchez-moi, merde! Ok. C'est terminé pour vous. Ok. Mais putain, on dirait. Mais gros, on dirait que les balles de snipe ça passe à travers. Oh là là, mais c'est terrible. Je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il en est, mais il va falloir très rapidement que je trouve des munitions. J'ai plus que 5 balles. Oh là 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 là, mon dieu. Je me suis fait violencer, les amis. C'était assez terrible, c'est pas fini, hein. Elle est toujours là. Là, je vais lui mettre ce qu'elle mérite. Hein. Je vais lui mettre ce qu'elle mérite à celle-là. Elle est morte. Elle est totalement morte, en fait. Je crois. Et voici son cadavre. Yes, 1500, elle est morte. C'est bon, les gars. Oh là 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 là. On a réussi à s'en débarrasser. C'était pas évident, c'était pas évident. On va pouvoir se recrafter des munitions. Ça fait plaisir. Là, j'ai un sniper, normalement, les gars. Là, faut me récompenser. Hein. J'ai tué un mini-boss. Elle m'a fait tellement peur. Par contre, j'ai pas utilisé de heal, il me semble. Donc, peut-être une part de génie qui s'est jouée très rapidement. Pas utilisé de heal. J'ai utilisé certes des balles. J'entends quelqu'un, au moins une personne minimum. Oh putain. Au moins une personne. Peut-être deux. Yo. Ok, c'était intelligent ce que j'ai fait. C'était très intelligent ce que j'ai fait. Ça m'a permis de la tuer entièrement gratuitement. Ça, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on va se créer une issue de secours au cas où. Ok. C'est pas mal. C'était intelligent. Ah, ça par contre, c'était terriblement con. On va la réouvrir, étant donné que notre vie est nulle à l'heure actuelle. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que si je tentais de passer directement par ici, c'était terrible le sort. Oh. Oh, des balles de snipe. Oh! Oh, un tuyau mécanique. Oh là là, vas-y, mon pote. Oh là là. Eh, les gars. Pièces de rechange pour fusil de précision. Des pièces de rechange pour fusil de précision. S'il y a des pièces de rechange pour un fusil de précision ici, c'est qu'il y en a un. Ces pièces devraient m'aider à réparer le fusil de précision. Oh là là, régalez-moi. On se sent puissant, on se sent beau, les amis. On se sent beau. Cet épisode est incroyable. Je vous avais dit que c'était terminé pour elle. Elle n'avait plus d'avenir. Ok. On va pas faire les thugs. Renverser le baril. Oh, je peux renverser le baril. C'est beau. C'est beau tout ça. Bon bah les gars, on est arrivé au bout de... On est arrivé au bout de notre ville. On a fait tout le nord. Oh là là. Oh bébé, oui. Merci de me régaler. Merci d'exister, les gars. Là, pour l'instant, on fait un bon début. On fait un très bon épisode. Ça fait plaisir. On n'a pas perdu autant de vie que ça. On a pris un café il y a pas mal de temps. Non, j'ai pas repassé par là, il y avait déjà une statue, je doute qu'il y en ait une autre. On avait pris un café l'épisode précédent, donc vers la fin de l'épisode précédent, donc je doute que ce soit rechargé, mais quand même, on n'a pas utilisé de seringue. Là, pour l'instant, je ne suis pas peu fier de ce que je vous propose. On va peut-être fouiller là. Regardez, regardez. Aïe, 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 il faut que je trouve un établi. Hein. Il va falloir refaire le sous-sol, les gars. Vous vous souvenez le sous-sol où on avait trouvé le fusil à pompe? À mon avis, il doit y avoir des choses fort intéressantes là-dedans. Et la voix de la fille était là-haut. On va essayer de vider petit à petit le paysage, cette petite ville, cette petite bourgade, avant d'attaquer le photographe. Oh, c'est plaisant. C'est plaisant quand tout se passe bien, les amis. C'est plaisant. Quand on s'amuse comme ça, quand on vit la vie, quand on croque la vie. Ah, mais j'ai cru que c'était un mec. Mec, regardez de dos, les gars. On dirait un mec qui a la tête baissée.
Faut avoir de l'instant parce que faut avoir de l'instant. Non, faut. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais on dirait qu'il avait la tête baissée et qu'il était de dos. Mais faut être con. Faut avoir de l'imagination, tu vois. Parce que bon, ses jambes sont très secs, hein, très très maigres et droites. Mais j'ai cru que c'était un mec. J'étais persuadé. J'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. Je tiens à vous le dire. J'allais me cacher très rapidement. Attendez. Ah, en fait, Mobius a tout fermé quasi. Oh putain. Il y a des choses par là-bas. Ne vous inquiétez pas qu'avant d'aller voir la gamine, on va fouiller toute la ville. On va faire un dernier tour. Je le ferai en off si j'ai rien trouvé d'intéressant. Mais va falloir tout faire. Va falloir tout faire. Oh, encore une petite statue. Oh là 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 là. Comment ça se fait que vous êtes adorable? Comment ça se fait? Deux clés, les mecs. Deux casiers au hasard à ouvrir. Une troisième et on s'est régalé. Hein. Et c'était la vidéo du bonheur. Dedans, il doit y avoir quelque chose. Écoutez, écoutez le son. Il y a une porte, forcément. Il n'y a personne. Il n'y a personne et en plus, on peut fabriquer. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable, les gars. Merde. C'est beau. C'est beau, putain. Vous en pensez quoi, vous? Regardez-moi toute cette poudre. Regardez-moi ces fusibles. Non, mais c'est terrible. Bon, j'avais fait une erreur. En plus, j'avais perdu un harpon, les gars. Alors là, j'étais full stupide. C'était très mal parti. Et puis, j'ai visé sa tête avec une précision au pistolet. Oh là là, tout ce qu'on a. Là, c'est beau. C'est très, très beau. Moi, ça me plaît, moi, les gars. Une petite balle de pompe. Parce que ça mange pas de pain. Le célèbre sniper, il est temps de se le faire. Parce que ça ne mange pas de pain, toujours. Grâce à sa puissante lunette, ce fusil est extrêmement précis à longue distance. À utiliser si vous ne voulez pas vous salir les mains. Ok. On l'a le sniper, les gars. On va se fabriquer quelques balles de pistolet quand même. Allez, bah 6-6-6, hein, malheureusement, un chargeur complet. On va se faire un carreau. Deux carreaux. Et on va se faire une dernière seringue pour se remplir la panse de seringue. Et c'est pas mal. Tout le reste, ça sera du bonus. Y a pas de souci là-dessus. On a 215 pièces. Ok. Sniper, régale-moi. Sniper, dis-moi qui tu es, je te dirai. Je te dirai qui nous sommes. On l'améliore d'office. Hein. Bah les couilles, les mecs. Capacité. Ah, c'est intéressant. Hein. Cadence de tir. Temps de reload. Ça, c'est intéressant aussi. On peut gagner un précieux temps. Toujours pas de vis. Je ne sais pas comment les avoir. Améliore la capacité. C'est pas mal aussi, ça. Pour éviter de reload comme ça. C'est pas mal. On est très, très bien, les gars. On est très, très bien. Et je suis très content. On va continuer de visiter la ville. Étant donné que... Nous sommes en début de vidéo avec ces conneries. On va pouvoir continuer à visiter calmement. Regardez toutes ces caisses à fouiller aussi. Ça va vite quand on s'amuse. Hop, on va tout ramasser. Là, clairement, c'est l'épisode du loot. Alors, il y a un truc qui me foutrait les boules. C'est qu'après, on continue d'avancer et qu'il n'y ait plus rien dans la ville. Vous savez, c'est qu'on épuise la ville de toutes ses ressources. Et après, on est comme des connards en mode « Ah, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça fait que si tu n'as plus de munitions, ta vie est nulle. » Oh... Attendez, c'est intéressant tout ça. Elle arrive. Les murs ne l'arrêteront pas. Mais qu'est-ce que ça peut être? Les murs ne l'arrêteront pas. Rien ne l'arrêtera. Je ne peux pas me cacher. Elle est horrible. Cette voix est différente des autres. Elle est horrible, cette voix. Yo. Le mec de Mobius totalement mort. Il avait des balles de fusil à pompe. Tu sais ce que ça veut dire? Que quand il y a une animation comme ça... Voilà, c'était sûr. C'était totalement sûr. Ok. Ils sont deux. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer de garder nos balles. Waouh! Putain. Ok. Je répète ce que je dis, on va essayer de garder nos balles. J'ai trouvé deux balles de fusil à pompe pour les utiliser, hein, ça fait plaisir. Oh putain de merde. C'est pas ouf. Hein. C'était sûr. Quand ils te donnent deux balles de fusil à pompe, tu les utilises. Tu les utilises la seconde d'après et c'est assez terrible. Par contre, on a quelque chose sur le toit. Et là, c'est très intéressant.
Donc on va aller le chercher. Sur le toit, je me sens un minimum en sécurité, on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a rien? Non, on peut descendre. D'accord, on a rien en fait. Oh. Oh. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ils sont tellement nombreux. Je pense qu'il va falloir les faire au snipe. Hein. Je pense qu'il va falloir les faire au snipe. Ok, on va descendre. On va descendre, ne paniquez pas. Je sens que vous paniquez. Lui, il a les yeux. Il est vivant. Lui est vivant. Il est totalement vivant, les gars. Il a les yeux qui bougent encore. D'ailleurs, petite question, c'est dommage qu'on ne puisse pas les piéger, les mecs, en fait. Y'a rien, y'a rien, vous êtes sérieux? On va fouiller ça. C'est peut-être le mec de derrière d'ailleurs qui va se réveiller. Une hache, ça me plaît. Je peux pas lui piétiner le cerveau? Non. Yes, il était vivant. J'ai utilisé ma hache, putain, quel connard. J'avais totalement oublié. Un moment d'égarement. Ok, un moment d'égarement, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, ça m'a rien coûté. Il y a plein de garages par ici, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Bougez pas, on avait un point de résonance, d'ailleurs, là-bas. On avait un point... Est-ce que ce serait pas mieux de le refaire, d'ailleurs? Ah, non, c'est pour dire que c'est au sous-sol, d'accord. Il y a un point de résonance au sous-sol. Et pour aller au sous-sol de cet endroit-là, je suis quasi sûr et certain... qu'il faut tout simplement retourner dans le grand sous-sol. Sniper, je suppose que c'est tout simplement ce qui offre le plus de dégâts, d'ailleurs. Pourquoi pas prendre connaissance de ce sniper, justement. On a des caisses, en plus. C'est bon, il m'a plus vu. Est-ce que par hasard, les détruire? Tiens, je suis sûr que sur le toit, il doit y avoir quelque chose. On a deux clés aussi à aller voir. Ah, sur le toit, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a énormément d'ennemis, dont deux là-haut. Dont un là-haut aussi. On a un corps là-haut. On va aller fouiller ce corps. Oh, on a tellement de choses à faire, c'est tellement grand. Ok, ça me plaît, on a du gel ici. De l'autre côté qui a été utilisé. On a un garage. C'est pas mal du tout, ça. De la poudre. Oh là là, mais on a beaucoup de choses. Là, clairement, c'est l'épisode du loot. C'est l'épisode du loot. Autant en profiter, hein. Autant profiter de toute cette chance et tout ce qui se passe. Oh, putain, merde. J'ai eu tellement peur. Bon, bah, gros, pas de bras, pas de chocolat. Hein. Tu connais les bails. Hein. Ok, lui, je peux aller le tuer par derrière. Il y a deux gars par là. C'est bon, c'est très très bien joué de ma part. Ok, les gars, j'ai la bouche pâteuse parce que nous sommes entourés. On va essayer de localiser la zone. Ici c'est fermé. Ok. Il y a un gars qui tape dans le camion comme un abruti. Ok, ils sont 2 000. Là, je vois pas, en fait. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop. Comment faire? À moins d'une flaque d'eau. Là, il y a une flaque d'eau, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ah, yes, on peut jouer à ça. On peut jouer à ça. J'ai ma petite idée, les gars. Vous êtes prêts ou quoi? Écoutez bien ce qu'on va faire. On va les attirer dans cette flaque d'eau. Ouais, ouais, ouais. On va essayer de les attirer dans cette flaque d'eau, les mecs. Et par contre, faut ouvrir. Ça, c'est clairement un autre problème. Faut ouvrir. On ouvre, j'en tue un. C'est pas ouf, hein.
C'est pas ouf, mais c'est ouf. C'est pas ouf, les gars, mais c'est ouf. J'ai peut-être une idée de Deus, là. Ok, bougez pas. Maintenant, on va s'équiper de ceci. Ça fait que si je fais ça... Yes, ok, impeccable. On va s'équiper de ceci, et c'est parti. C'est parti. C'est pas mal. Non, c'est pas lui que je voulais. Aïe. Y'a peur. Mais ils sont... Mais pourquoi il a pas été pris dans le... Putain. Pourquoi il a pas été pris dans le moule? Il va pas monter quand même. Monsieur, monsieur, vous allez pas faire ça. Il monte, hein. Il monte totalement. Oh non. Wow. Ok, vas-y, relève-toi, bébé. Il se régénère, lui, hein, je sais pas pourquoi. C'est bon. J'ai utilisé une balle dans la pression. J'ai plus qu'une balle. J'ai donc utilisé cette balle, c'est terrible. Mon plan s'est pas passé comme prévu. Il a pas été électrocuté, sûrement affaibli. Mais pas électrocuté. C'est pas grave, il est temps d'aller fouiller maintenant ce pourquoi on a fait tout ça. Bon, mon plan relève quand même d'un plan de génie, hein. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Heureusement qu'on est... Il y a une phase d'immortalité quand on ramasse quelque chose. Yo. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Nous avons donc... J'espère que ça a marché. Ouvert des portes. Enfin, en tout cas, réactiver l'alimentation. Je pense que je peux le faire accroupi. Ah oui, quand même, ils sont deux. Ah oui, quand même. Balle de pistolet. On reload. On est reparti. On va se remettre... c'est pas mal, là, on s'en sort pas mal. On va se remettre les carreaux. Je sais pas s'il y a un raccourci pour les carreaux. Yes, c'est bon. Ah bah oui, il y a juste appuyé sur carré, je suis con. Je suis totalement con. Un mec juste ici aussi. Oh là là, ils sont trop nombreux. Il y avait un mec là-bas qui tapait comme un abruti. Là, ils sont deux. Mmh. Pas l'impression d'être caché dans une fougère par ici. Il y a lui là-haut qui me paraît un petit peu plus stock que les autres. Bidon rouge. Monsieur, calmez-vous. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal. On va tenter le coup du bidon rouge. On va bien faire cette expérience une fois. Yes. Yes, 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 d'accord. Ça sert à ça. Ça sert donc à cela. Mm-hmm.
D'accord. Si ça vous gêne pas, on va faire l'autre là-haut. Qui était total. Oh putain, ils sont beaucoup trop nombreux. C'est un petit peu terrible là tout ce qui se passe. Hein. Tiens, on va ouvrir ici. Je sais pas du tout ce qui nous attend. Au moins, ça c'est fait. Là, il y a un gars de Mobius. On ouvre en cours? On ouvre en cours. Ah! J'ai donc ouvert un grand entrepôt. Il se passe beaucoup de choses. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ok. Il doit y avoir des choses ici. Il est mort. Il est totalement mort. On va fouiller de ce pas. Alors faut savoir qu'ils sont totalement insensibles à la lumière, hein, si jamais. C'est-à-dire que ça ne leur fait rien. Là-dessus, je peux. S'il vous plaît. On peut pas monter sur ces caisses. Là, il y a des pièges tendus, hein. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a quelque chose aussi. Il y a que par ici. Cet entrepôt est gigantesque. Cet entrepôt est totalement gigantesque. Il y a qu'en allant qu'on sera... D'accord, au moins c'est réglé, on ne peut pas y aller. Allez hop. On fait demi-tour et ça m'arrange. Ça m'arrange pas mal. Ok, on reviendra ici, on essaiera de tuer les mecs. Vous voulez qu'on se fasse au snipe là? Ça peut être sympa ça. Pour tester le sniper, bougez pas. On va s'en curer un là. On va s'en curer un calmement. Je pense qu'il va pas être prêt à la petite balle qu'il va recevoir. On va se barrer de cette zone. Et peut-être pourquoi pas deux, comme ça il en restera un tout seul. Ça me plaît pas mal ça. Ok, on va chercher un point de hauteur. Je l'ai. On va aller là-haut. Hop. On va aller sur cette maison. Les gars, faut vraiment prendre son temps dans le jeu, hein, cette fois-ci. Là, on a toujours pas eu de boss à proprement parler. Alors oui, on a eu la dame qui nous a donné 1500 et qui réveillait les morts, mais je considère pas vraiment ça comme un boss. On peut pas retenir sa respiration. Et voilà, elle fait demi-tour. On va essayer de tuer elle. Quoique lui, il a l'air balèze. On va essayer de tuer lui. Allez, s'il te plaît. Ah putain, allez. J'arrive pas. Je peux pas l'avoir, j'ai l'impression. On va essayer de tuer elle, finalement. Il a pris ce qu'il mérite. Putain, ce sniper des enfers, les gars. Il est beau. Et lui, j'ai bien envie de le faire à la hache. Vous en pensez quoi? On va se le faire à la hache, celui-là. On va clairement se le faire à la hache. Ça me paraît pas mal, parce que la dame avait une autre hache derrière, donc... Autant se faire plaisir, ça me paraît pas mal. Là c'est beau là ce qu'on produit là ou pas, vous en pensez quoi franchement? Dites honnêtement, c'est dommage qu'on puisse pas ouvrir ici. Comme ça on aura vidé la zone, on aura totalement vidé l'extérieur. Et je pense qu'on pourra retourner à l'intérieur. Par contre pourquoi je suis vu depuis tout à l'heure là, qu'est-ce qui se passe? Et on pourra totalement vider l'intérieur la prochaine fois. Parce que je sais pas pourquoi je pouvais pas passer. Pourtant moi je voulais vous offrir toutes ces aventures incroyables. Parti où? Monsieur, vous êtes totalement fou. Aucune idée, aucune putain d'idée d'où il a pu partir, le gars. D'accord, il est carrément parti de l'autre côté. Ok. Normalement, elle a une hache. Elle l'a pu. Mais...
Voilà. Allez, on récupère. Et il a une hache, les gars. C'est injuste si je peux pas la récupérer. C'est totalement injuste. C'est pas grave. Ok, il tapait. Il y a un gars qui tapait là-dedans aussi. C'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Ah, mais non, je veux juste que tu ouvres. C'est ça. Pourquoi il tapait là-dedans? Qu'est-ce qu'il doit bien y avoir? 4 balles de pistolet. Merci, mon pote. Merci. Bon, on a vidé une nouvelle zone. Les gars, on a très très bien avancé. On va, de ce pas, aller sauvegarder, ouvrir 2 casiers totalement au hasard. Et puis on verra. On verra ce qu'on aura en récompense. Les gars, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Alors, il y a un gars de Mobius mort. Alors, attendez, hein, vous m'avez dit que je pouvais mettre un radar. Comme quoi, voilà, je vous écoute. Ah oui, il y a bien un gars mort. Il y a bien un gars mort là-dessus. Et il y a même quelqu'un dans le bus. Il se passe toujours quelque chose, hein. Quand il avance pour regarder le cadavre, des gens vont arriver là. Et ils vont être des milliers. Ok, totalement personne. Je me suis fait peur tout seul. Il y a tellement de trucs à fouiller. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez. On m'a menti. Non. Ah, c'est bon. Il doit y avoir quelque chose à faire avec la musique, vous croyez pas? Ça ne fait strictement rien. C'est quoi ce bruit en fond? J'ai attiré tous les mecs de la ville ou quoi? Non, c'est bon. Ça fait strictement rien. Bon, plus de peur que de mal. On a quelqu'un là-dedans? On va juste rentrer récupérer l'herbe. Oh! Je me casse. Oh putain! C'est quoi ça? Les mecs qui courent comme ça, mais ils sont fous, ça fait des petits screamers. Bon! Il est temps d'aller boire notre petit café, d'aller regarder ce que nous a offert ces 2 clés en choisissant des caisses au hasard. Et clairement, cet épisode 6, j'en suis fier. J'en suis fier parce que on a looté salement. On a eu énormément de choses. Tiens, il y a un autre point de résonance ici. Voix de femme. C'est là où elle avait vu le célèbre fantôme. Donc, prochaine vidéo, on ira dans ce point de résonance et on ira fouiller tout simplement cette partie de la ville qu'on n'a jamais faite. Je pense clairement qu'on a fait, on a déjà, comment dire, ratissé, peut-être pas la moitié, mais un tiers de la ville. Et c'est plutôt pas mal, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, si ça vous plaît tout ça, hein, même s'il y a moins d'action, on n'est toujours pas... Alors oui, on a eu quelques, comment on peut appeler, quelques petites doses d'histoire à gauche, à droite, quand on a retrouvé les 2 agents de Mobius, etc., etc. Mais de toute façon, je pense qu'il est impossible de courir à la voix de la petite fille et de continuer l'histoire sans avoir fait de loot ou de farm. Je pense réellement pas que ce soit possible. Après, peut-être les speedruns, ça jouera comme ça, mais à voir. Très honnêtement, à voir. Ok, on est parti. On va ouvrir 2 casiers. On va se faire plaisir. Ça serait bien qu'il me régale. Et puis, on va s'arrêter là, tout simplement. Évidemment, je compte sur vous pour pas oublier les j'aime et les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Je ne cesserai pas de le rappeler, mais tout ce soutien... Inspecteur. Tout ce soutien est très très cool à mon égard. Et il y a un autre let's play qui va arriver dans quelques jours, quand vous regarderez cette vidéo. J'ai même envie de vous dire le jour même où vous regarderez cette vidéo. C'est tout simplement le let's play de South Park, les gars. Et ça, j'ai hâte de le faire aussi. C'est parti, on va ouvrir celle-ci. Oh, 6 cartouches de pompe, je prends. Et celui-ci. Oh, 15 balles, je prends. C'est bon. C'est bon. Ah, par contre, d'accord. Vu que je suis plein niveau cartouche. Ok, ça peut rester là. Je crois que ça peut rester là. Les gars, ils vont pas me les faire perdre. Je pense que dans 1, ça restait là dans mes souvenirs. Donc, il y a pas de raison. On va s'arrêter là, les amis. On va voir. Oh, un petit... Oh là, 9000 de gel vert. Ça serait un sacrilège de pas s'améliorer. Si vous avez des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à me dire aussi. Ça peut être cool. Mais vu qu'on a fait le boss et tout... Déjà de retour, oui, inspecteur. Écoutez. Vous êtes tellement ravissante que je ne peux que venir. Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... agilité, peut-être? Agilité, c'est pas mal. Vitesse de récupération et endurance augmentée. C'est pas mal. Augmente la capacité maximum de la jauge d'endurance. Alors que là, ça vaut beaucoup plus le coup de le regain. Quoique, la capacité aussi. Il n'y a pas courir plus vite, tout simplement, MDR. Quoique ça me paraît pas mal.
Ça, ça me paraît pas mal. 3000, on peut s'en augmenter 3 comme ça, c'est plutôt cool. Récupération, ça c'est cool la récupération, les gars. Récupérer davantage de santé avec des objets de guérison. Et la vitesse de récupération de santé augmente si vous revenez d'une mort imminente. D'accord. Ça augmente tout de même de 50%, c'est pas négligeable. Et qu'est-ce qu'on a là? Avancez plus vite en position accroupie, c'est pas mal. Vos pas sont encore plus silencieux, les ennemis se mettent à votre recherche encore moins rapidement. Et avancez plus vite en position accroupie, ça me tente, mais c'est un peu trop cher. Effectuez des attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert. Ah, ça c'est pas mal aussi. Ah, ça fait mal tout ce choix. Et combat, on a quoi? Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à la hache, infligent encore plus de dégâts, 150% en plus. Stabilisez plus efficace votre réticule. Ok, on va prendre ça. On va prendre ça, et ça coûte 1. Et j'en ai, je crois, pile poil 1. Ouais, j'en ai pile poil 1, très bien. D'accord. Ok, on s'est amélioré, c'était très très bien. C'était très bon épisode, on va sauvegarder. Je vous fais des bisous les amis. On se retrouve très bientôt pour notre épisode 7. On avance très très vite et ça, c'est totalement incroyable. Des bisous tout le monde, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.